Yo tout le monde, c'est Evosion. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça sera la partie 2 de mon roleplay taxi. Donc là aujourd'hui je vais faire gendarme. Donc je suis accompagné de mes abonnés et de mes amis. Vous pouvez dire bonjour si vous voulez. Ouais, salut à tous, salut, c'est Frag. Bonjour. Ouais. Bon, on se retrouve pour la chaîne YouTube. Bon, on se retrouve pour la troisième partie. Je suis encore flic, on est dans la merde. Enfin voilà. Avec tout le monde, du coup, avec Max et tout. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Max aussi, c'est important. De vos yeux. Et lâcher un pouce bleu aussi. De rien. Ouais, j'avoue, on peut aller, les gars, du coup. On part avant les flics. Un petit dislike, ça fait plaisir. Les flics, vous partez avant, voilà. Bah, moi je pars aussi parce que. Donc là, on est un peu plus. On est un peu plus, la dernière fois on était 10, là on est 11, on devait 12, mais il n'a pas pu venir. Donc tant pis, donc on est 6 flics et 5 taxis. Donc la dernière fois ça s'est super bien passé, donc j'envisage vraiment de continuer la série. Et il faut. Tout nouveau participant sera le bienvenu. Donc voilà. En tout cas, on peut vraiment commencer le vert. Voilà. Il faut. Vous partez dans une minute. On peut se TP non si, nous pour nous placer. Faut qu'on se place la police. Ouais, mais parce que le temps d'y aller, frère, dans une minute. Voilà quoi. 10 km en une minute, gros, c'est pas trop possible quoi, avec une Mégane RS. Je dis rien. Les taxis, vous pouvez y aller. Ah, voilà, tu en as pas le temps de se placer, frère. Bibi, ça va être porté vous. Ouais. T'inquiète. Dans tes 30 minutes. T'es sous contrôle, chef. Ouais, je roule pas. Je suis un flic, je roule pas RP. Je suis à 200 en ville. Ah ouais, le mec. Tu mets les gars, moi je me place. C'est que je me dépêche pour aller sur l'auto. Ouais, tu rejoins la Gaillardo là. C'est bon, les gars. Que Frag s'est caché. De quoi? Bah vas-y. Je sais où tu t'es caché. Bah vas-y, mec. Fais ta place. N'hésitez pas à faire des contrôles de papier du véhicule et tout. Ouais. Et toi, tu joues à cache-cache. T'inquiète. Moi, Frag et l'autre, on est en train de faire une arrêt stop là bientôt. Tout est sous contrôle. Tout le monde va tomber dessus. Tout le monde va tomber dessus. Les gars, je suis positionné. J'arrive aussi dans 5 minutes, même pas. Nickel. Je vérifie en même temps qu'est-ce qui se passe dans la zone. Ah oui. Je suis positionné, les gars. Je vous attends. On attend les taxis, les infractions. Alexus, tu rejoins la Gaillardo. C'est ou... qu'en ce moment là, ils ont trop de demandes. Non, faut faire bail. Bon, je vais faire des contrôles de routine, un contrôle de papier avant que ça commence bien, tu vois. Parce que là, ils ont énormément de demandes en ce moment, les taxis. Ils vont rouler à fond, là. Les gars, je crois qu'on est en train de se faire douiller. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui prend l'autoroute. Ils sont tous sur la route de campagne. Je sais pas, je le sens. Mais t'inquiète, moi et Flag, on va les piéger, t'inquiète. Il y a quelqu'un qui veut aller sur la route de campagne là parce que. Pas de soucis, collègue. Je vois bah, personne. On va se connecter. Terminé. Il faut le virer, lui. Il faut le virer oui, vite. Oui. Je l'ai vu. Un intrus rejoint la session. Un intrus rejoint la session, je répète. C'est un anglais. C'est un anglais, ce mec-là. Ah, je peux pas le virer, il faut qu'il rejoigne la partie. Waouh! C'est bon, il a rejoint. Ah, voilà. Oh putain, j'ai vu un taxi passer. Oh, fait chier. Ah, il fait chier ce bonhomme, il a rejoint. Exclure la session. Voilà, dégage. En fait, le groupe, faudrait que tu me mettes sur invitation, le groupe de la partie, enfin, tu sais, le groupe. Bah, de... comment tu fais? Bah, paramètres, ATH paramètres et tout en bas. Quand tu fais dans les têtes groupes, le groupe, c'est 180, hein. Fais start, groupe horizon, et je crois que quand tu fais Y, t'as un moyen de. Non, pas groupe horizon. Start, paramètres, ATH. C'est bon. Tu descends en bas, invitation uniquement. Voilà, t'as les deux options et c'est bon. T'as tout compris, moi-même. Moi-même, t'as tout compris, ouais.
Les gars, ils étaient pas faire un contrôle là. C'est trop, c'est Frac, trop. T'as changé de position. Gars. Ouais, je me suis mis là. Transport d'immigrés là. Salut le collègue. Moi je viens un petit peu plus devant. Yo collègue, rien à signaler pour le moment. Je me mets ici devant. Je suis en train de voir le van qui est en train de slalomer là derrière moi. Ici là. Ah, comme ça, ils vont commencer à voir. Pas du tout, je double juste en fait. Très bien, collègue. Et que je me rabats. Ouais, bah, et je fais une capture, mon gars. T'es mort. Prêt au départ, s'il faut. Pourquoi tu fais une capture de quoi? Comme ça, ils me voient pas. Mais ici. Non, mais une capture, enfin, un toi aussi, collègue. Ouais, ok, on en parle d'eux. Les bâtards. Les mecs, ils sont passés à 3 comme des motos en interview. Team biker. Salut collègue. Bonjour collègue. Allez vous mettre beaucoup plus loin. Ah. Ouais, dépassez-moi. Encore plus beaucoup loin beaucoup. Moi. Mets-toi beaucoup plus loin. Mets-toi beaucoup plus loin. Beaucoup hein. Prenez-moi, c'est un individu. Non, non, non. Il parle marqué. Les gars, vous prenez s'il y a un individu comme ça, j'ai le temps de partir. Oh, à midi, faudra pas louper le pastis, oh cogne. L'apéro. Midi, c'est apéro, je te le dis. Est-ce qu'on la va BM, veuillez vous arrêter, s'il vous plaît. Ah, premier contrôle. Opération coup de poing dans les dents. J'ai besoin de monde sur l'autoroute. Ah, Darky, tu peux y aller. Exactement. J'ai bien le maintenant. Alors. Oui, con. Bonjour monsieur, clé et papier du véhicule s'il vous plaît. Oh le bâtard. Et je voulais de passer la vitesse. Merde. L'autoroute c'est où? Que transportez-vous s'il vous plaît? Ah, là-bas. Oh merde, j'ai un problème. Monsieur. Oui, il y a un gros problème. C'est du légal. D'accord. Monsieur. D'accord. Je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment il y a beaucoup de transports de touristes, d'immigrés, d'assaillants, on va dire, et d'immigrés. Vous le savez, monsieur, ou pas? Oui. D'accord. Vous êtes sûr que vous en transportez pas? Monsieur. Ok monsieur, sortez les mains en l'air, les mains derrière, la tête sur le capot. C'est bon, sors-le, on a un pigeon. On arrive. Monsieur avec la BM. Je suis sur zone dans 2 km. Moi je sais pas, j'ai pas encore vu le GPS là. Pourquoi il répond pas lui? Vous m'entendez? Ouais. Ah oui. Ouais, c'est bon. Veuillez répondre à notre question, s'il vous plaît, monsieur. Sûr, monsieur. D'accord. Savez-vous pourquoi je vous arrête? C'était pas pour ça, mais merci pour l'information. C'est un pigeon, hein. Faut profiter. Je vous arrête parce que vous doublez un interfile, monsieur, ce qui est très dangereux. Moi bon, j'y vais, okay, les gars. Bon, j'ai contrôlé la plaque, elle est bonne. D'accord. Attends. Donc je remonte pour les. Vous étiez à combien, monsieur, précisément? J'étais à 185. D'accord. Donc on va faire une retenue à 181. Donc c'est un petit excès de vitesse. Stead Martin, non? Alors. Les amendes. Veuillez klaxonner, s'il vous plaît. Oh, putain, attendez, il y a un mec qui a rejoint la porte. D'accord, merci. Attends. Donc, votre klaxon est bon. Donc, petit excès de vitesse, je vais vous enlever un point. Et en amende, je vais vous donner... J'ai 750 € d'amende. D'accord. Donc, après, mais on a... Je savais bien que j'avais vu le Lamborghini. Il y avait un mec dedans. Donc, on a... Interfile, c'est pas marqué. Mise en danger de vie d'autrui, on va dire. Donc on va mettre 1000 € pour mise en danger de vie d'autrui et 2 points. Donc voilà. Donc là, Kratox,
tu m'envoies 1000 euros et 2 points. Je fais mon arrestation, les gars. Plus 700 euros et 1 point. Tu m'envoies ton amende. Le petit excès de vitesse. Gratis, non. Tu m'envoies ton amende par message. Je peux faire mon arrestation, les gars. Donc, ouais. Vas-y, vous redonne vos papiers. Je vous redonne vos papiers et votre clé du véhicule. Et je vous dis au revoir, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je voulais procéder à un petit contrôle de routine, donc ne vous inquiétez pas. Rien de grave, vous étiez à bonne allure. Je voudrais quand même savoir ce que vous transportiez dans votre coffre, parce qu'il y a beaucoup d'émigrés qui viennent, ou des terroristes. Je voudrais savoir ce que vous transportiez vraiment dans votre coffre, s'il vous plaît. La monsieur, je vais vous le dire franchement. Oui, bonjour. Je transporte un sac avec des couteaux. Un sac avec des couteaux? C'est pas trop toléré, ça, monsieur, vous savez. Oui, monsieur. Attends, monsieur, si je faisais pas ce transport, on tuait ma femme et mes enfants. C'est quoi ce bordel? Considéré comme quoi, ça, Max? Il transporte qui dans la voiture? Est-ce qu'il y a une personne? Frère, elle a dit des couteaux. C'est comment? Ouais, mais c'est pas des personnes, des couteaux. C'est pas des personnes, mais c'est pas légal quand même. À moins qu'ils soient ciseaux, mais... Pour un chauffeur. Est-ce que vous transportiez des personnes quand même dans votre coffre, je sais pas, sous vos pneus ou des trucs comme dans ça, non? Coffre, genre normal. Sous vos pneus. Non, monsieur, juste, okay. Juste un gars qui est derrière moi, qui me surveille. C'est quoi ce gars? Mais c'est quoi ce gars, monsieur? C'est un client. C'est il faut dire la vérité, monsieur. Vous pouvez encourir une peine maximale, monsieur, si vous ne dites pas la vérité. Une personne qui me surveille, que j'arrive bien à bon en à bon lieu. T'entends pas l'autre? Avec le colis des armes. Ah, monsieur, c'est un terroriste, non? Ou un émigré? Il peut pas faire terroriste. Monsieur, je sais pas. Vous avez qu'à lui demander. Si c'est un émigré, monsieur, vous savez que vous encourez quand même une peine maximale presque là quand même. Eh, attends, je vais faire l'émigré qui répond. Moi j'y suis pas un émigré, hein. Je suis pas un émigré. Je suis un chinois. Moi, travailler tous les jours, moi pas émigré. Donc, monsieur, vous transportez un émigré, donc vous allez avoir quand même une grosse amende et un retrait du véhicule pour 5 minutes, monsieur. Monsieur, mais on a voulu tuer ma femme et mes enfants. Il n'y a pas de mais, monsieur. Tout le monde doit être dans la légalité. Moi, j'ai besoin d'argent, mais je vais pas aller tuer des gens non plus. Hein. Offre-lui l'asile politique. Donc, ça fera. Cet immigré, il va appeler son chef et il va tuer ma femme et mes enfants. Non mais justement, si je vous arrête, il pourra rien faire justement, parce qu'il va aller en prison, monsieur. Vous, c'est pas là, vous avez quand même 20 000 euros d'amende, monsieur, et retrait du véhicule pendant 3 minutes. Là, on est surveillé, les voitures qui passent à côté de nous, c'est des gens à lui. Non mais monsieur, il n'y a rien à faire, dans tous les cas, il faut être comme tout le monde, transporter des personnes normales. Attends, Frag. Ouais. Frag, je te mets juste 2 minutes en... Ouais, en stand-by, ouais. Graxo, tu prends l'amende qui t'a donnée. 20 000 euros, du coup. Ben voilà. Ouais, transportez pas tout pour... Ah bah t'es... Tu seras dans le négatif. T'es en négatif, frérot. Tu transportais vraiment un immigré? Putain, c'est chaud. C'est pas conseillé de faire les légales en début. Ah ouais. Bah désolé, frérot. Donc du coup, les gars, 20 000 balles d'amende. Je fais la contrôle de papier. Bah 20 000 euros. Et retrait du véhicule pendant encore une minute. Je vous laisse une minute. Après, vous pouvez repartir, monsieur. À 20 et à 22, tu peux repartir. Attends, Frag. Ouais, excuse-moi. Contrôle des papiers du véhicule, s'il vous plaît. J'ai besoin maintenant. Tenez, monsieur. Mets-toi, s'il te plaît. Je peux faire un contrôle ou pas? Alors, attends, non, je suis en train de faire le contrôle à la RX-8. Non, bonjour, monsieur la RX-8. Je viens vous faire le contrôle des papiers du véhicule, non, s'il vous plaît. Vous pouvez actionner, s'il vous plaît. Tenez les papiers. Non. Vous pouvez y mais repartir, bon monsieur. Monster, ta gueule, lui ton micro, toi. Vous pouvez repartir, monsieur. C'est bon, tu l'as posé. Ferme ta gueule, toi. Tenez. Monsieur Graxo, vous pouvez repartir. Attends, Frag, je t'envoie un message, une question. Pas de soucis. C'est bon. La RX-8, tu peux klaxonner, s'il te plaît. Voilà. Je vais regarder votre plaque.
Bonne journée, monsieur. Je vais regarder si j'ai mes papiers. Mais non, je le trouve pas. Anthony, ferme ta gueule. J'avais un défaut de plaque. Mais vire, coupe ton micro. Mais vous êtes chiant. Sur les fichiers de la police. Attendez. Sur la fichier de, sur les fichiers de la police, monsieur, votre voiture est immatriculée au nom de monsieur Monster Drift, donc c'est bien vous. Mazda RX-8 et la plaque c'est BG. Ben Megan, vous pouvez repartir. Exactement, c'est ça. Ouais, parce que sur votre plaque, il y a marqué Québec. Donc C'est marqué Québec, je vois ce que je vois. Mais monsieur, allez sur Québec. Attends, ORP, je t'envoie la photo sur Facebook. Faut que tu enlèves là. Max, deux secondes. Non, de toute façon, monsieur, ouais. J'ai une question, deux secondes. Est-ce que, du coup, Graxo, vu que je lui ai mis l'amende, il a été mobilisé pendant 3 minutes, il peut reprendre la livraison, il doit la recommencer, du coup. Ah non, il s'est fait choper avec les migrés, il faut qu'il recommence une autre. Voilà, merci. Bon, je peux faire mon contrôle ou quoi, les gens? Vas-y, vas-y. Ouais, par contre, le contrôle, essayez de faire vite. Je vous donne juste un avertissement, la RX-8, vous pouvez partir. D'accord, merci. Changez votre carte, bonjour, monsieur. Merci, bonjour. D'accord. Bonjour, monsieur, gendarme national, coupez le contact, s'il vous plaît. Donc déjà en fait je vous contrôle, enfin je pense que vous savez pourquoi je vous contrôle. Vous avez pas marqué le stop en fait au virage juste à côté. Si, j'ai marqué au niveau des barrières. Monsieur, un stop ça se marque ou stop ça se marque pas des barrières, monsieur. Donc, il y a les barrières, le stop il est là. Nous allons procéder à un contrôle, monsieur. Et n'aggravez pas votre cas, parlez-moi. Donc klaxonnez s'il vous plaît. D'accord. Votre plaque, je vais l'envoyer à la centrale. Monsieur, votre plaque. Attendez, elle m'a demandé, c'est moi le central. Donc, monsieur, vous êtes en train de m'interpeller quel individu. Bah, monsieur. Monsieur Max Fun, c'est ça, Max, oui, sur ses papiers. Sa plaque, elle marque quoi? MB. Voilà. Alors, ouais. La plaque est bonne. La plaque est bonne. D'accord. Monsieur, avez-vous quelque chose de suspect dans votre véhicule? Non, pas du tout. Je crois que des personnes qui ont cherché à un véhicule. D'accord. D'accord, bah, monsieur, ce sera juste une mise en garde. La prochaine fois, faites attention à vous, monsieur, et pensez bien marquer les stops. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Aperçu d'un suspect. Non, ça vous dites pas, vous dites pas. Je l'ai perdu de route. Mais merde, je croyais que c'était une voiture de PNJ, Fragi. Là, je croyais que t'étais un taxi. Oh. Ça roulait un peu fort là quand même. Mais il fait quoi à contresens Dark? Je suis en urgence, monsieur. Ah, collègue, faudra faire attention à l'espèce de GMC là un petit peu. Parce que au loin j'ai vu quelque chose qui m'a pas trop plu. Donc faut faire attention à ce monsieur quand même. Non, là c'est trop tard là. On l'a perdu, collègue. Sur début. Non, non.
Les gars, je demande la reconnaissance de police parce que je veux pas beaucoup d'individus, je viens faire l'hélicoptère, je vais juste regarder vite fait sur la carte. Je regarde pas les noms, je regarde les points, c'est tout. Bien reçu. Bah, c'est ça. Reçu. Je fais juste un petit tour. Bien sûr. Pensez bien à nous dispatch hein, des endroits où okay. Vous pensez qu'il y aurait peut-être des suspects. Des suspects. Colette, pensez utiliser ton giro hein, s'il y a des bouchons. Il y a plus de trafic sur l'autoroute. Moi, je vois que de trafic sur l'autoroute. C'est... Voilà, ouais, trafic, mais il faut aller vite dans les côtés du désert là-bas parce que je crois qu'ici, il n'y a plus personne dans la zone. Hein. Je vais aller faire un tour à l'aéroport. Moi je vais aller faire un tour à la station essence. Je mets les sirènes parce que là. Il faudra que je me rappelle où est l'aéroport déjà. Hein. Je vais regarder sur GPS. Bah, tu fais l'autoroute et tu sors après. Presque au bout de l'autoroute. Ah oui, c'est bon. Heureusement que j'ai appelé du terrain. Les collègues, ils sont là sur l'autoroute. Sur l'autoroute ? Non, pas sur l'autoroute, tu dis. Il faut prendre un petit chemin dans l'autoroute, vous savez. Ouais, pas de soucis, collègues. Le BG qui m'envoie un message. Ouais, il devait venir, mais le problème c'est qu'il était pas à l'heure. Hein, et... Ok. Ouais, j'ai loupé la sortie du virage. Il y a du monde là dans les routes derrière votre route en haut, dans les déserts. Il y a pas mal de monde. Hein. Ça arrive. Toujours ? Ouais, je suis là. Est-ce que tu veux que je te fasse une calcul là, une matrice comme ça, enfin à la main c'est bon, je le fais quand même. Oui, c'est tout, je fais tout, la charge. C'est tout, des calculs super rapides. Ouais, mais mets pas le fantôme toi aussi. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, coupez le contact s'il vous plaît. Wesh! Monsieur Graxo, êtes-vous là? Allô, monsieur Graxo. Donc, monsieur Graxo, je vous arrête. Rattrape, tu peux avancer, toi. Je t'ai pas demandé d'arrêter. Juste, t'as un micro ou quoi, Graxo? Oui, il a parlé tout à l'heure. Oui, j'ai un micro. Donc bonjour monsieur, coupez le contact. Est-ce que vous savez pourquoi je vous arrête? Oui, j'ai freiné brusquement et je me suis mis sur le côté. c'est pas pour ça que je vous arrête, mais d'accord. je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure je vous suis et pour être à votre vitesse, j'ai dû aller à 186 km/h. Enfin, je vous ai contrôlé à 186 km/h. Non, monsieur, j'étais à 170. Monsieur, je vous suis depuis le début de l'autoroute. Donc, voilà. Monsieur, je suis là, 170, je vous jure. J'ai même... Oui, mais pas constamment, monsieur. J'ai même monsieur, un régulateur encore allumé. Monsieur, regardez sur mon radar. Mon véhicule est équipé d'un radar, regardez dessus. Regardez ce qu'il y a marqué. Monsieur, c'est vrai qu'à un moment... Quand j'ai accéléré, j'étais en sur-régime, donc j'étais un peu plus au-dessus de 180. J'étais à 185, mais après j'ai ralenti et j'étais à 160. 185, la marge de manœuvre, c'est 4 km/h. Si vous seriez à 184, ça aurait été bon. Là, vous êtes à 186, monsieur. Donc ce sera... Non, déjà, on va procéder à un contrôle. Donc, notre plaque est matriculée, monsieur. Juste qui reste plus d'une minute trente. Monsieur Graxo, est-ce que la... Non. Merde, le dispatch peut me confirmer une plaque d'immatriculation, s'il vous plaît? Normalement, il reste 5 minutes, les gars.
Non, okay, moi j'ai un mec à intercepter, faut que je... Monsieur Graxo, ce sera... Ce sera 4 points à moins... excusez-moi. 2 points à moins et 1000 euros d'amende, s'il vous plaît. Enfin, voilà. Ok, monsieur. Vous avez bon. Monsieur, je trouve ça... Monsieur, c'est pour la sécurité bon. De tous. Bon, passez bon, un bon, petit coup de klaxon pour voir, monsieur, s'il vous plaît. Passez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Monsieur. Attends, je fais un contrôle. Monsieur, vous trouvez pas c'est un peu dangereux? Monsieur, un coup de klaxon, s'il vous plaît. Chut. Ne te demande rien. Laisse-moi parler. Monsieur Graxo, je ne le répéterai pas. Voilà. Merci. Bonne journée, monsieur. Pensez bien à envoyer votre message. Au revoir. Bon. Hey. Bon, excuse. Toi, là. Police en contresens. C'est pourquoi je t'arrête, en excuse. Ouais, je t'y vais en contresens. Non. Jésus, là. Bon. Dépassement par la gauche. Au collègue. Et mise en danger. De l'autrui. C'est sérieux. T'as passé par la gauche à fond. Sur un virage, t'as monté le trottoir. Mais. Apprends à conduire, mec. Putain. Bon. Ta plaque, là, je vois rien dessus. Oh. C'est quoi ça? La plaque, on voit rien. Mais ça attends. Bug. T'es sûr que ça bug? Regarde. Hors RP, tout à l'heure j'avais mis autre t'as que pas la de plaque horizon. Là. Là, t'as pas de plaque. Mais... T'as pas de... On va voir ça tout de suite. Klaxonner vite fait. Ok, tout est bon. Bon, la plaque, je vais... Vas-y. On va laisser passer ça. Vous allez au garage tout de suite, mettre une. Oui, je vais. Et du coup, je vous enlève 2 points et 2000 euros. Vous avez entendu? Ouais. Donc Monster, tu m'envoies la main. Ouais. Bonne journée. Faites attention maintenant, dépassez plus par la gauche et roulez doucement. Oui, promis. Putain, mais je sais pas comment ils font, mais je crois qu'ils font bien leur... Il y a un flic qui chope tout le monde et j'ai pas l'impression que putain, je vais faire ça. Mais... Ouais. Si, j'ai ah, moi, je suis le premier là depuis j'ai le début. Max Fun, mais il a roulé à 70 alors que tu roulais à 80. Moi et j'ai un chopé le premier. Arrêtez-vous s'il vous plaît, monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je vais procéder à un contrôle de routine s'il vous plaît, donc donnez-moi votre permis. Juste les gars, il y a aucun refus, c'est chiant. Merci monsieur. Est-ce que vous pouvez. Il est en règle donc ça va. Est-ce que vous pouvez klaxonner s'il vous plaît? Tout est en règle, c'est nickel. Alors je voulais vous poser une dernière question parce que il y a pas mal de transports d'immigrés en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Et je voudrais savoir si vous transportiez des immigrés par hasard ou pas du tout. Ou par hasard. Non, vous êtes sûr? Non. Oui. Ça va alors monsieur, si vous êtes un honnête citoyen. Je peux vous laisser repartir, bah je vous laisse partir, monsieur, bonne journée à vous en tout cas. Merci d'avoir été coopératif. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée, monsieur, au revoir. Merci. Et soyez prudent. Au revoir. Ouais. Oui, mais... Oh, bravo la police qui détruit et fait de la vie. J'ai rien touché. J'ai pas touché. Bon, votre plaque, je vois qu'elle est bien là, en fait. C'est pas vraiment un bug. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment... Parce que même avec... Oh une hélicoptère de reconnaissance. Je vais être obligé d'utiliser. J'ai cru que c'était un taxi, c'est parce que c'était un qui arrive à toute balle, c'est parce que c'était un flic. Et non. T'aurais pu faire le chauffeur au taxi. Ouais, il y a un taxi.